Laisser le numéro de police secours. Oui, avec celui des pompiers, ton numéro de portable, le mien et celui de la maison de nos amis. Tu penses pas qu'on fait une erreur? Ne stresse pas, chérie. Ils sont assez grands pour qu'on puisse les laisser seuls deux petites heures. D'autant plus que les Maurice habitent à deux pâtés de maison de chez nous. Seul dans la nuit. Vous allez finir par être en retard, hein. Vos amis vous attendent. C'est vrai? Pour une fois que vous allez pouvoir dîner chez les Maurice sans nous, profitez-en. On vous a tout mis ici. Le numéro de police secours. J'ai trouvé ça collé sur la table de la cuisine. Vos deux numéros de portable. Et celui-là était sur la porte d'entrée. Dessus, il y a le numéro des pompiers et celui de vos amis. Oui, eh bien, deux précautions valent mieux qu'une seule. Et trois précautions, alors? Bon, alors, vous y allez ou vous avez décidé de camper dans le salon pour la nuit? Ouais, ça commence à être lourd à force d'être long, hein. Vous allez nous manquer. Oui, 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 bien sûr. Allez, vous allez nous manquer, vous aussi. N'oubliez pas de manger, je compte sur vous. Je vous ai préparé un délicieux gratin de courgettes, vous verrez. Waouh, génial! Mais maintenant, si vous voulez, on peut aussi annuler. Bon, et cette fois, ça suffit. On n'est quand même plus des bébés. Ah, les enfants. Et surtout, surtout... On sait, on n'ouvre la porte à personne. Génial, on est seuls, on va pouvoir s'éclater grave. On commence par le dernier concert de l'Overmove, comme on avait dit. Ah non, pas question, c'est toi qui as décidé ça toute seule. On regarde Alienator. Et voici notre bulletin météo. Des orages violents sont attendus dans la soirée. Un jour, je serai plus fort que toi, ma vieille. Je serai capable de te soulever et de te faire tournoyer au bout de mon doigt. Et là, je t'expédierai de l'autre côté de l'univers rendre visite à tes copains aliens. On n'en est pas là. Si tes muscles se développent à la même allure que ton cerveau, j'ai encore pas mal de temps devant moi. C'est Raphaël qui me l'a prêté. Même qui dit que c'est le film qu'il préfère depuis toujours. Ça te dit quelque chose, Alienator? Tu rigoles, c'est mon film préféré, je l'ai vu 100 fois. Trop fort la scène où il rentre dans la maison par la cave, tu te souviens? Si je m'en souviens, j'avais une de ces peurs. Mais non, Nina, faut pas, je serai toujours là pour te protéger. D'accord, donne, je vais le mettre. C'est bien parce que t'es mon petit frère. Je sais pourquoi tu dis ça, c'est une ruse pour prendre mon DVD et le casser en deux. Après, tu me sauteras dessus pour me ligoter et me forcer à regarder l'Overmove. Et ensuite, tu vas... Ne fatigue pas, j'ai dit d'accord pour ton film débile. Allez, secoue-toi avant que je change d'avis. Ça, c'est top! Puisque t'as été chouette, je m'occupe de préparer le dîner. Qu'est-ce que t'en penses? Si on faisait plutôt des pâtes au fromage et au ketchup, mais sans les pâtes? Tu parles, c'est n'importe quoi ton film. Non, laisse. Raph a dit que c'est à partir de cette scène qu'on se démarre vraiment. T'as la trouille, hein, microbe? N'importe quoi, ça va pas, je tremble pas, je frissonne, il fait pas chaud, je trouve. Mais ouais, bien sûr, je te crois, t'as la pétache, ça se voit, t'es très mal. Tu veux pas faire avance rapide pour voir? T'as entendu ça? Non, qu'est-ce que c'était d'après toi? Je sais pas, un bruit, dehors, dans le jardin. C'est tes oreilles d'alien à tous les coups. Avec ça, t'entends des bruits qui n'existent pas. Ah ah. Quoi? Qu'est-ce que t'as encore? Chut. Mais pourquoi? J'entends rien, moi. Hé, hey, attends, où tu vas? Ah 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 ah. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est sûr, j'ai vu un rôdeur dans le jardin. Et il se dirigeait tout droit sur la maison. Et à quoi il ressemble? Il porte un grand manteau noir, un chapeau sur la tête et il tient une hache à la main, comme celle qu'il y a chez le boucher. Chez le boucher?
J'ai peur, microbe, au secours. On va peut-être appeler papa et maman. Mais bien sûr, bonne idée. Tu veux qu'ils nous laissent plus jamais seuls tous les deux ou quoi? Tu sais que t'as raison, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce qu'il ferait, Capitaine Courage, dans un cas pareil, je me demande? Il aurait défendu la maison. Super, je crois qu'on va pas s'ennuyer ce soir. Maintenant, le boucher, il peut toujours se gratter pour rentrer chez nous. Ouais, mais s'il est déjà dans la maison, ça voudrait dire que tu viens de l'enfermer à l'intérieur avec nous. Remarque, d'un autre côté, s'il n'est pas encore dedans et qu'on lui laisse tout ouvert, c'est pas top. Ça doit être l'horreur de se faire capturer chez soi parce qu'on n'a pas pu s'échapper assez vite. Mais comment on doit s'y prendre alors, dis-moi? Aucune idée. Et qu'est-ce qu'il ferait, Capitaine Courage? Sifflet anti-alien, ça doit marcher aussi pour les bouchers. Et ça sert toujours d'avoir des armes cachées partout. Phase numéro 1, vérifier qu'il n'est pas déjà entré dans la maison. Salon sécurisé. Qu'est-ce que tu fabriques? Je regarde ton film de nul. Je saute les détails, j'en ai pas besoin. C'est de la soupe de poireaux que t'as dans le crâne. Tu veux te faire manger toute crue? Salle de bain sécurisée. Le terrain est dégagé, l'alien. Ma chambre sécurisée. La tienne sécurisée. Tu sais quoi? Je vais aller tranquillement finir le film. T'es complètement inconsciente ou quoi? C'est grave, là. Il faut piéger entièrement la maison. Mon idiote frère, c'est encore mieux que le film. Comme ça, on détectera immédiatement les traces de pas suspectes. Une minute. Si t'accrochais les ficelles à des piles de vaisselle, comme ça, on serait vraiment sûr de l'entendre. Tu sais que t'as pas tort. Et je vais faire la même chose devant la porte. T'es vraiment trop balèze, microbe. C'est bientôt la fin du film. Pour le boucher, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète, avec les pièges que j'ai posés, on n'a rien à craindre de personne. Tiens, il a pas fait tomber une seule pile de vaisselle. Tom, je t'en supplie, il faut que tu le trouves et que tu le désintègres. Moi, j'ai trop peur, je vais me cacher. Cuisine sécurisée. De la farine, Nina. J'ai vu assez de ce film stupide pour pouvoir en parler des heures avec Raph. Je vais enfin me mettre un bon lover move. Tom, c'est toi là? Ah, au secours, Nina! Le boucher! Ah, comment je t'ai eu, l'alien? Je le crois pas. Ton truc avec les chaussures de papa, c'était trop nul. T'as eu la... C'est encore un de tes coups minables. Mais puisque je suis là en face de toi, sombre idiot. Alors c'est peut-être papa et maman qui ont oublié les clés. Impossible. J'ai vu papa les mettre dans sa poche. Et puis, si c'était eux, ils diraient c'est papa et maman. Tant pis, je les appelle. On va bien voir si c'est eux ou pas qui sont devant la porte. Maman? Non, tout va bien. C'était juste pour vous demander quand vous alliez rentrer à la maison. Et alors? Ils arrivent tout de suite, elle a dit. Donc, ça peut pas être eux à la porte. C'est le boucher! Ah! Personne, regarde. Les ennemis invisibles, c'est les plus dangereux. Non, mais
Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous avez fait, les enfants? On croyait que c'était un voleur qui voulait s'introduire dans la maison! Et vous trouvez que c'est une raison pour casser toute la vaisselle et dévaster toutes les pièces? Heureusement que la voisine qui venait nous rendre des livres n'a pas essayé d'entrer les déposer dans l'entrée et qu'elle les a laissés sur le pas de la porte. La pauvre femme aurait pu faire une crise cardiaque. N'empêche, vous avez vu qu'on est capable de se défendre. Vous allez pouvoir nous laisser seuls plus souvent. Tiens, ça y est, j'ai réuni toutes les adresses de tous les amis de papa et maman. Ça y est, t'as écrit les lettres? Je te lis. Cela fait un temps fou que nous ne nous sommes pas vus, blabla. On serait ravis de voir, là c'est selon le destinataire, votre nouvelle maison, votre nouveau-né, le petit chien que vous venez d'acheter. Que diriez-vous d'un bon dîner chez vous? Je suis sûre que ça va marcher, tu verras, ils vont pas arrêter de se faire inviter. Ça tombe super bien, Raphaël m'a prêté plein de nouveaux DVD.